J'ai rattaché mes cheveux parce que il me gênait. Voilà, alors on se retrouve parce qu'en fait je voulais vous faire la présentation du tonic de Lunasia. Donc c'est parti, je vous mets sur mes mains et on regarde ensemble exactement tout le tonic de Lunasia. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on a la page de couverture avec un très bel embellissement ici en bois, et j'avais eu le même l'année dernière sur mon embellishment box de ma jumelle. Voilà, allez, je l'ouvre avec vous. Hop, donc il s'ouvre. Voilà, ici on a une très jolie breloque qu'il faut que je vous montre en détail ici parce qu'elle est magnifique, j'adore. C'est une petite biche. C'est super joli. Et donc, hop, on a ici une pochette avec un effet 3D dessus, un petit onglet. Et à l'intérieur, il y avait également une moufle faite en feutrine avec de la dentelle. C'est magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Donc voilà, je le remets dedans. Ah ben non, hein. Voilà. Tac. Ensuite, on a une feuille en feutrine ici, blanche avec des étoiles grises. Ici, on a une feuille de récup avec un Merry Christmas, une bande de dentelle et un petit tamponnage de bonhomme de neige. Ici, on a une petite pochette, parce que je peux y glisser quelque chose en dessous. Avec, ça devait être avec les cartes DIY de l'année dernière. Pareil, j'avais des petites images comme ça. Ici, on a une pochette faite avec du organza, donc aqua blanc, voilà, avec une jolie petite carte Joyeux Noël et une petite fleur en dentelle. Je la remets dedans, voilà. Donc, on a encore une feuille de récup avec un petite image, quoi, pour faire pochette. Ici, à l'arrière, on a une autre pochette, donc avec ici un tag Merry Christmas, donc voilà. Super joli. Hein. Quel travail. Voilà. Et ici, on a une ATC. Joyeux. Voilà. Et c'est la 1/2. Donc, avec un fond patouille, un petit morceau de washi coupé comme une bannière et un tamponnage Joyeux Noël. Donc, je la remets dedans, mais elle ira dans ma collection. Ici, on a un... Comme je vous ai montré d'ailleurs, que moi j'ai fait en papier toilette. C'est un marque-place, quoi, enfin marque-page. Je ne sais pas s'il est fait pareil que moi. Oui, il y a un trombone avec du carton. Hein, c'est une feuille cartonnée. Un petit motif ici, un petit motif ici. Le petit pendentif avec le tout doux. Et dans ce marque-page, il y avait... Alors, je le remets à sa place. Il y avait une autre petite carte comme ceci. Beau Noël. Magnifique. J'adore. Avec une découpe d'étiquette, une petite fleur en dentelle. Je la remets dedans. Voilà. Hop. J'adore ce truc. Ici, on a un grand napperon avec une découpe ici arabesque. Ici, on retrouve une feuille... Alors là, c'est pas de l'organza. Je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Bon, il y a quelque chose à l'intérieur, donc c'est une pochette. Si j'arrive à trouver l'ouverture, elle est ici. Ah, trop bien! Un sachet de thé, réglisse et menthe. En plus, j'aime bien cette marque-là de chez Action. Voilà, je goûterai, hein, forcément. Il n'y a pas que le café. Ici, la tête dans les étoiles, donc une très jolie découpe découpée dans du papier argenté. Faite sur une feuille de livre vieillie avec un morceau de dentelle et une découpe ici. Alors, je ne sais pas si la découpe, c'est toi qui l'as faite
ou si c'est le cahier, mais il y a une petite découpe ici. Alors, est-ce que vous... Oui, vous la voyez. Donc, juste ici, là. Hop. Avec un très joli pendant ici, fait en perles, encore une petite fille. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Elles sont très belles, tes perles. Et voilà. Ici, une feuille d'organza avec une pochette, oh, avec un checker. Donc, un petit bocal de checker. Voilà. Super. Donc, ça va être le dies de chez Action. Ici, on a un petit trombone avec un monsieur pain d'épices sur une feuille de cahier vieilli. Donc voilà. Et de l'autre côté du trombone, on a des petites bannières. Ici, un tamponnage de points. Non, c'est pas un tamponnage. C'est fait au pochoir sur une feuille vieillie. Et un pochoir avec du marron. Je pense que c'est de la vintage photo. Voilà. Derrière, on a une jolie découpe moment. Un petit napperon. Ici, la petite pochette. Ici, une autre découpe arabesque pour faire l'angle qui fait magnifique. Ici, j'ai des petites fleurs et une autre biche. Ah, j'adore tes biches. Elles sont magnifiques. Ensuite, donc, on a le petit napperon qui est collé sur la feuille cette fois-ci, par contre. Ou alors, non, non, elle est collée. Ici, on a un élément, donc un die cut, hein, avec un ours et des petits cadeaux. De ce côté-ci, on a le trombone avec ses petites bannières. On a un autre marque-page sur une feuille de cahier, donc vieillie. Ça, ça vient d'un bloc de chez Action, j'avais le même. Ici, on se retrouve avec une pochette en organza et un autre checker. Trop bien, hein, tu t'es éclaté en vrai. Tu t'es éclaté. Ensuite, donc la feuille de cahier, toujours avec sa découpe, sa petite dentelle et une très jolie perle avec... du doré, j'adore. Hop. Ensuite ici on se retrouve avec une autre pochette, alors je sais vraiment pas en quoi c'est, et un joli trombone. Alors il y a quelque chose. Ah bah les badges, ils étaient là de base, c'est d'autres badges là. Voilà, donc à mon avis il devait être le dent. Alors là j'en ai peut-être un, voilà, j'en ai un, c'est parti, sa place. On va le remettre, si je peux, si j'y arrive. On va gagner. Donc, avec des Merry Christmas. Oh, j'adore, ils sont magnifiques. Avec des Pères Noël. Ah, ils sont magnifiques. J'adore. Donc, je les remets dedans. Je ne sais pas si toi, tu as la budget. Moi, je ne l'ai pas. Voilà, donc, je ne peux pas faire. Ils sont superbes, cela dit. Alors, est-ce que je vais réussir à remettre? Oui, le trombone. Hop, c'est fait. Donc, on retrouve l'autre moitié du napperon. On a une image pour faire pochette, donc sur une vieille feuille. La vie est belle en découpe dans du papier argenté. Ici, on a un joli trombone avec une petite bannière. Ah ! Ici, on se retrouve avec des sticky notes. Génial ! Dans une pochette en organza. Ici, on se retrouve avec notre bande de dentelle sur une feuille vieillie. On retrouve la feutrine. En blanc, et on a fini le premier livret. Dans le deuxième livret, donc on a toujours la feuille de feutrine, mais cette fois-ci bleu à pois blanc. Notre feuille vieillie avec une dentelle bleue, un petit tamponnage de bonhomme de neige. Ici, on a notre tag Merry Christmas et Let It Snow. Et on a, attendez que j'abîme pas mon étoile de neige, voilà. Et ici, douceur de Noël. Oh, elle est jolie ta découpe, c'est superbe. Donc là, c'est une nuit 1 sur 3. Voilà, elle est magnifique. J'adore la petite découpe. J'adore, j'adore, j'adore. Ici, on a encore... Alors, je ne sais toujours pas en quoi c'est, hein, n'est-ce pas? Mais, il y a des petits cadeaux. Alors, elle est fermée avec un trombone. Ah, le trombone, il veut pas. Non, il veut pas, le trombone. Ça y est. Je le pose de côté et je vais aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite pochette. Alors, on a des petites images, une découpe de serre, une étiquette ronde. Et là, elle m'a fait des découpes d'étiquettes. Ah, j'ai fait pareil en plus. Donc voilà, avec comme des vieux tikis, c'est génial. Donc je les remets, non, je ne les remets pas parce qu'il y en a un qui est resté coincé dedans. Donc, je vais poser sur le côté. Et vous avez vu, j'ai mis le chemin de tape pour faire joli en dessous. Hein. C'est une étiquette Père Noël. Elle est magnifique.
Avec écrit Merry Christmas, tout foam derrière, donc 2A. Pardon. Ah, bah décidément, je vais boire du café, hein. J'ai un truc dans la gorge. Bref, un petit trombone avec des petites bannières. Une autre découpe arabesque, donc du papier argenté. Un autre marque-page. Donc ici, on a un petit, une petite étiquette avec un raton laveur. Merry Christmas. Et, mais, oh, les pendants là, j'adore. C'est trop doux. C'est trop doux. Ici, dans la pochette, on se retrouve avec deux découpes. Oh, il y a un ange. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et mon bonhomme en pain d'épices. J'adore les bonhommes en pain d'épices. Le mien, il est beaucoup plus petit, donc c'est génial. Hop. Donc, une feuille de vieux livre avec une découpe et de la dentelle. On a un autre pendant ici, magnifique. Un bonhomme de pain d'épices. Ici, on a encore notre pochette en organza. Hop, hop, hop. Et boule de Noël. Oh, génial. Non, c'est conte de Noël. Je ne sais même plus lire, moi. Conte de Noël. Donc, comme ça, c'est une petite carte. J'aime beaucoup l'idée. On se retrouve avec un marque-page. Le... Oh, un apron, mais cette fois-ci, il est coupé en quatre. Et dedans, on a... Ah, thé vert et cannelle. Oh, ça sent trop bon. Un petit thé. Ici, donc, une page vieillie avec le trombone et ses bannières. Ici, on a le droit au petit gros lot. J'adore l'idée. Un sapin en die-cut. Une arabesque papier argenté magique. Et donc, ici, il y a d'autres petites choses. Joyeux Noël. Bonne fête. Joyeux Noël. Oh, c'est génial. Plus tous les cadeaux qu'il y avait dans le carton, t'es une grande malade. Je te le dis encore, mais... Une arabesque en argenté. Oh, elle est jolie ta fleur, là. Oh, j'adore. Donc, une jolie fleur en papier faite main avec... Mais je ne sais pas comment tu as fait ton truc au milieu avec des paillettes et tout, là. Mais c'est fait super joli. Ici, on a une autre ATC, je pense. C'est ça, ATC Noël. La 1 sur 4. Donc, on a un fond patouille, une petite fleur dorée avec une demi-perle, le Noël qui est embossé à chaud, et des tamponnages blancs, dorés et argentés avec des boules de Noël. Ça fait super sympa. Ouais, ça fait super sympa. J'aime beaucoup. Je remets tout dedans, mais forcément, quand je l'utiliserai, je rangerai tout. Voilà. Donc, une pagille avec de la dentelle. Ici, on a une découpe bonheur dans le bas de la page Lily. Oh! Dans une pochette d'organza, on a une autre ATC, donc Père Noël, la 2 sur 4. Donc là, pareil, on a un fond patouille, un tamponnage de Père Noël et deux petites bannières. Alors, je ne sais pas si c'est du washi, mais je pense que c'est du washi, en haut et en bas. Donc, super joli. J'aimerais en avoir à ranger dans mes ATC. Ici, on a une feuille vieillie avec deux petites découpes de fleurs. Ça rend super joli. Super sympa. Voilà. Ici, on a notre ange qui est collé. Ici, oh bah décidément, dans une autre pochette, on a, je pense, ça c'est Pilates, ouais. Poussière de fée. Alors, ça va être poussière de fée, mais il manque le E. Donc, c'est super joli. Fée de Noël, la 1 sur 2. Avec des chutes de papier. Donc, c'est super. C'est super génial. Voilà. On a un papier lié avec de la dentelle. Le feutrine. Le troisième livret, donc, avec la feutrine, avec des étoiles. Ah, c'est joli. Conte de Noël, un petit bonhomme de neige et de la dentelle. Ah, j'avais pas vu. Il y a une petite biche encore. Oh, je les adore, celle-là. Et les petites épingles comme ça, il va falloir que j'en achète parce que c'est pas bête du tout. Je sais pas où tu les as eues, mais j'adore. Un trombone avec des petites bannières. On retrouve un apron. Ici, on a C'est Noël. Donc, sur un petit tag. On
on a, à mon avis, une ATC. Merry Christmas avec un joli petit pingouin. Donc, pingouin. Et c'est la 2 sur 2. Donc, c'est super sympa. Avec, je pense, un fond fait à la distress. Et un tamponnage Merry Christmas. C'est super sympa. J'aime bien ton petit pingouin. Donc, on a un petit pendant à fait avec des perles. Donc, c'est toujours aussi joli. Hein. Le napperon. Ici, oh, un ATG. Oh, un ATG. Je crois que c'est mon premier de ma collection. Oui, c'est trop mignon. Alors, on a un fond patouille. Des tamponnages de fond, écriture. Un petit stickers. Un petit tamponnage. Des demi-perles. Et c'est donc chat. ATG, donc 4 sur 4. J'adore. Et c'est mon tout premier. Une arabesque, toujours dans le papier argenté. Une jolie fleur fait main qui ressemble un peu au poinsettia. Oh, j'aime beaucoup. Avec ici, ça doit être une attache parisienne. Oh, je ne peux pas voir. Mais je pense. Ici, un apron. Une feuille vieillie avec un trombone et du petit ruban. Ça fait super sympa comme ça. Ça fait super. Oh! Et on a la chanson Vive le vent. C'est génial, je pourrais la chanter avec ma fille. Ici, une arabesque, toujours dans le papier argenté. Ici, on a une pochette en organza et des tags, des étiquettes tags. Alors ici, avec un petit cerf. Ici, on a le ho, ho, ho. Ici, on a plein de petits cerfs. Avec tout mon amour et un joli sapin. Je vais pouvoir mettre les noms sur les cadeaux de Noël. Hop! Ici, on a une étoile. Donc, ça devait être un tag étoile parce qu'il y a le petit rond. Ici, on a deux étoiles collées ensemble pour cacher un peu la ficelle. Ça fait super sympa. Une étoile en embellissement métal. Un marque-page, donc. Et donc, elle les avait mis comme ça, en fait. Donc, je les remets comme il était. Ça doit être celui que j'ai fait tomber. Hop. Donc, voilà. Hop. Voilà. Avec mon petit froufrou bleu tout doux. Ici, à mon avis, c'est une ATC dans une pochette organza. Si j'arrive à ouvrir la petite pochette. Voilà. Donc, c'est Noël. Avec, pareil que tout à l'heure, avec le pingouin. Et un tamponnage Noël sur un fond. Ah, ah, ah. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il est un peu plastifié. Donc là, c'est sapin. 1 sur 2. J'adore l'écriture de Noël. Oups, elle est vivante. Ensuite, on a donc le papier vieilli. Bon, celui-là, il ne veut pas tenir. Hein. Il va encore s'en aller. Du papier vieilli. Un petit napperon. Ici, une branche de coton, je pense. On avait ça dans les sachets Action. Si ma mémoire est bonne. Ici, oh, ça m'a l'air sympa, ça. Alors, elle s'ouvre où, la petite pochette, ici. Ho, 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 avec un petit renne. Donc, toujours un fond patouille. Et c'est là, 1 sur 2. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Je me prends pour le plus Noël. Ici, un grand napperon. Donc, une feuille vieillie. Le grand napperon. Oh, un très joli des cuts ou des coupes ou je ne sais quoi. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ensuite, une feuille vieillie. Hop, hop, hop. Et on finit par la feutrine. Et encore un superbe décor à la fin ici. C'est magnifique. Avec du glitter et tout. C'est super joli. Donc voilà pour notre junk de Noël. Donc, j'aurai arrangé tous les ATC. Gardé mon ATG. Donc il va falloir que je fasse un rangement ATG. Et puis, ben voilà. C'est magnifique. J'adore. J'adore. Il est magnifique. Et puis alors, ce ruban avec les ailes d'ange, je ne peux que apprécier le petit clin d'œil. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.